Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau... L'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute, et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnu, et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. Excluant pas une implication du Wutai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute. J'ai entendu dire qu'il y avait encore eu une explosion. Dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Œuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Shinra continuent de rechercher les survivants. Des suspects restés couverts par un ancien soldat. Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Ah. Tiens, filme ça! Emmenez-le là-bas! Préparez-vous au décollage! Ces gens sont-ils des victimes qui ont été secourues? Ah mince! Vite! Tourne la caméra! L'hélicoptère vient juste de décoller.
Excuse-moi. Tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Mon ami a juste inhalé trop de Mako. Non mais non! Bon, alors, tu vas nous expliquer? Il s'est passé quoi entre Sephiroth et toi, exactement? Tifa,
Je peux tout leur dire? Oui. Ça me gêne pas. Vas-y. Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Les soldats n'étaient déjà plus tellement mobilisés. Quand on sortait, c'était surtout pour des missions de routine. Et puis un jour, ma carrière a pris un tournant. J'allais faire équipe avec Sephiroth. J'en rêvais. J'étais aux anges. Il pleut des cordes. Tu devrais te voir. Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Consiste la mission? Si c'est encore un boulot comme celui des Tarks, je vais devenir fou, moi. Pourquoi? Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Navré, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Turks. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où? À Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route! Sortons. La puissance de Sephiroth était incomparable. Nibelheim, tu dis? C'est le site du tout premier réacteur Mako. Hein? Oui. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi.
Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Mais alors, et tes parents? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends, Genova comme ce truc dans la tour Shinra? Ouais, t'inquiète, j'y reviendrai. Mais pourquoi je te parle de tout ça? Bien, allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Profite de cette journée.